Salut les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc je vous avais dit qu'on testerait pas mal de plats préparés. Je veux un maximum de pouces bleus, franchement un maximum de pouces bleus parce que là je vais enchaîner des plats à la famille et même moi je ne suis pas prêt. En fait ce sont des plats que j'aime, tu vois. On va dire que ce sont des plats que j'aime. Pareil aussi, si tu as des suggestions de plats préparés, bien sûr, si tu veux bien sans porc, s'il te plaît, je te remercie à l'avance. Donc, si tu as des suggestions de plats préparés, tu vois, que tu veux que je teste, je vais le tester, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais bien sûr, des trucs improbables, hein, franchement, je veux qu'on teste des trucs improbables, tu vois. En tout cas, pour la première, on verra si vous allez kiffer ou pas. Bah, peut-être que c'est un concept qui peut fonctionner. En tout cas, ça va rester sur des tests dans le camion. Mais bien sûr, tu comprendras qu'il n'y aura pas de route. Il y aura vraiment, ce sera la route de la dégustation qu'on va faire ensemble. Bon. Premier plat de la série. On est sur du fleurimichon. On est sur du poulet rôti et potatoes. Et sauce blanche. Escale aux États-Unis. Oh, enfin, c'est oui, même yeah. Pas turc, c'est américain. À la sauce ricaine, tu vois. Nutri-Score, on est sur du B. Le poids de 280 grammes. 2 minutes au micro-ondes. Sans conservateur. À conserver au réfrigérateur. Mais nous, on va le défoncer direct. On va le cuire et on va l'éclater. Le packaging, hein, tu vois. Tu vois, c'est le packaging normal. Ici, t'as deux autres recettes. Alors, t'as kebab de poulet. Je pense qu'on va le tester lui aussi. Et colombo de poulet. On va tester ça aussi, t'inquiète. Alors, du poulet rôti aux herbes aromatiques et épices douces. De délicieuses potatoes rissolées aux oignons et ciboulettes. Pour un plat plein de saveurs. Quelle sera votre prochaine escale? Ben, pour la prochaine escale, on verra ça beaucoup plus tard. En tout cas... percer le film, 2 minutes au micro-ondes à 750 watts et c'est prêt. En termes de saloperie, alors, y a-t-il des saloperies? Y a pas de E? Y a pas de trace de E? Non, y a pas de trace de E. Ouais, bon, après, énergétique, tout ça, matière grasse, on s'en fout. On n'est pas là pour faire un régime. Mais en tout cas, voilà, ça a l'air bon en tout cas à l'image. Est-ce que une fois déballé, ça ressemble à l'emballage? On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc la famille. Alors, voilà la gueule. Et voilà la gueule. Les pommes de terre. Le poulet, sauce blanche. Allez, c'est parti, on jette ça au micro-ondes. Bon. Allez, 2 minutes. Les pommes de terre, je sais pas si elles sont bizarres. La sauce est chelou. On va goûter un petit bout de poulet. Pour commencer, bah, c'est super chaud. Bon, le poulet. Ah, ça, c'est du poulet. Franchement, c'est du poulet. Ils ont pas menti. Ça ressemble même à genre du poulet en kebab, tu vois. Bon, niveau goût. Oh putain. Oh putain, c'est horrible. Attends, la sauce, je vais goûter la sauce là sur la fourchette. C'est horrible, le poulet est dégueulasse. La sauce, c'est une espèce de sauce, sauce yaourt là, que tu trouves un peu chez les Grecs, tout ça. Là, Turquie, Grèce. Bon, potato. Voilà, mais on dirait un truc cuit à la vapeur, tu vois. Rissolé, non. Grillé, non plus. Fleurimichon ont déjà mangé des patates. Bon, on va tester quand même du poulet avec la sauce. Peut-être que voilà, mélanger, marier à la sauce, peut-être que ça va le faire. Voilà. La sauce n'est pas dégueu, elle n'a pas l'air dégueu, hein, franchement. Non, mais il y a une lumière là, il y a une grosse lumière, tu vois. Voilà, tu vois. Bon, allez.
la famille, ça commence méchant. C'est dégueulasse. Immangeable. Je vous jure, c'est immangeable. Je vous promets, c'est véridique. C'est horrible. C'est horrible. Donc, Fleury Michon, retourne à l'école de cuisine, franchement. Retourne à l'école de cuisine. Dégueulasse, la famille. Dégueulasse. Alors ça, ça va aller gicler là direct dans l'eau. Je vous emmène avec moi. Hein. Voilà, pour, juste pour que vous voyez, je vais pas le jeter comme ça. Ça va partir pour les animaux. Les animaux, frère, ils bouffent tout. Eux, ils chipotent pas, tu vois. Ça va aller pour, ça va nourrir les poissons. S'il y a des piranhas ou et des ragondins. Tout à l'heure, j'ai vu un ragondin. Je pense que c'est lui qui va le manger. Bon, en tout cas, celui-ci. Fleury Michon, je sais pas si t'es un être humain ou je sais pas, mais franchement, moi je t'invite à donner ça à tes enfants, vraiment. Hein. Donc la personne qui a inventé ce plat, je t'invite à nourrir ta famille avec ça. Franchement, hein. On va voir que ça va donner. Je vous jure les gars, ne mangez pas, c'est de la merde, c'est de la merde. Comme dirait, je sais plus comment il s'appelait, mais c'est de la merde, c'est de la merde. C'est de la merde, les gars. Mais c'est de la merde. Horrible, horrible. Bon, en tout cas, voilà, ça c'est testé. Voilà, allez, ça va dehors et ça gicle direct. Ah, bon appétit. Bon voilà, ça c'est fait, comme dirait Mohamed Denis. Bon, au suivant.